scars that can't be seen. Je savais que mettre un peu David Bowie allait faire arriver Servonne, nos amis. Et puis dans un colloque sur l'éditorialisation, ma foi, un peu de David Bowie ne fait pas de mal, puisque c'est quand même l'éditorialisation de l'auteur de l'année, puisque concernant cette mort de l'auteur, ma foi, il a joint la performativité à cette déclaration. Je vais arrêter ça par contre. Voilà. Alors, parler de l'inscription de l'écrivain dans une production numérique, ici, c'est parler plus globalement peut-être d'une interrogation sur le sujet et l'identité pris dans la toile de la communication instrumentée, mais également s'interroger sur le statut social, voire politique, de l'auteur aujourd'hui. Pour évoquer à mon tour, après tout ce qui, toutes les interventions passionnante d'hier, hein, tenter d'évoquer à mon tour cette question de l'éditorialisation de l'auteur et de l'éthos numérique des écrivains, c'est donc un corpus de sites et de blogs personnels d'écrivains que je souhaite interroger, et un horizon spécifique qui m'a semblé s'imposer, tant il est retravaillé par les pratiques numériques, celui de l'autoportrait. Là où se profile un cogito de l'écriture, écrivait Michel Beaujour, je cite encore, non pas j'écris donc je suis, auquel se raccrochent autobiographes et auteurs de journaux intimes, mais qu'est-ce qu'écrire, ou bien qu'en est-il de moi dans l'écriture? Je termine là ma citation. S'il est une spécificité de l'éditorialisation de l'écrivain, c'est peut-être au plus près de son rapport au geste d'écriture puis de publication qu'elle peut probablement nous apparaître. De là, peut-être une prégnance dont témoignent les titres des rubriques choisies par Martin Winkler sur son site « Comment j'ai gagné ma vie en écrivant ou décrivant ?»« Comment survivre à un best-seller ?» ou bien encore « Comment je construis mes romans ?» Mais on peut penser également aux formulations introductives du site de Leslie Kaplan, « Comment la littérature pense et comment elle aide à penser le monde dans lequel nous vivons ici et maintenant ?» Prégnance donc d'une interrogation sur le « Comment de la littérature » qui trouve sa source dans un témoignage personnel direct, chargé d'en assumer probablement la légitimité autobiographique, mais tout de suite reversé, on le voit, dans une réflexion politique. Ce « Comment » s'interroge dans la relation aux autres, tout comme l'identité qui nous occupe ici ne saurait, et c'est encore plus vrai dans l'écosystème numérique, que se co-construire par l'interaction. Le site du chantre du lyrisme, qui est Jean-Michel Maulepoix, s'intitule bien « Jean-Michel Maulepoix et compagnie ». C'est dans et par l'écriture que l'écrivain se lie à cette compagnie des autres, auquel parfois on réservera une chambre d'amis sur le site, j'emprunte le terme à Christophe Grossi. Compagnie des autres qu'il rejoint par sa pratique réflexive. L'écrivain français Martin Page, dont l'œuvre papier est déjà conséquente et qui est très présent sur le web également, écrit dans « L'art de revenir à la vie », son dernier roman en date paru en avril dernier, je cite. En 15 ans de publication, j'ai rencontré trois bons photographes. Trois photographes qui avaient un regard original et dont les images étaient magnifiques. J'aimerais tant que des photographes aient l'idée ou la liberté de me photographier en train de préparer un biberon, de préparer du houmous ou de jouer de la guitare. Quand je regarde des photos d'écrivains, je fais une overdose de machines à écrire, de stylo-plumes, d'ordinateurs, de cigares, de cigarettes, de fume-cigarettes, de chats et d'air sérieux. Je veux des photos d'écrivains changeant leur enfant, l'aidant à faire du découpage, cousant un ourlet en pleine séance de jardinage ou en train de préparer à manger. De mon point de vue, donner le biberon, bricoler, travailler l'interface de son site internet, discuter sur Facebook, expérimenter une nouvelle recette, ça fait partie de la vie d'un écrivain. Et ça compte dans le travail, le trivial n'est jamais trivial. Une des hypothèses que je suivrai ici, c'est que l'éditorialisation de l'écrivain aurait précisément pour objectif, par l'autoportrait souvent, de remplir ce programme que Martin Page estime dévolu à la photographie, mais qu'il estime ne pas être assumé par cette dernière. L'écrivain tente en effet de construire une identité numérique ouverte sur l'intimité de son existence, pour créer un champ de tension relationnelle et identitaire qui serait susceptible d'offrir un lieu d'énonciation à son écriture, lieu âprement négocié avec l'écosystème numérique, le système éditorial classique et enfin le lecteur. L'exemple de Martin Page, auteur hybride, si je peux me permettre, car il publie ses textes sur support papier mais investit aussi massivement le web, me servira ici de fil rouge dans un parcours qui va prendre en compte fréquemment cette proximité entre éditorialisation de l'auteur et image de soi, y compris au sens littéral, c'est-à-dire photographique du terme. Je voudrais aborder deux temps.
De la diffraction à la spectralisation sera mon premier temps, et je terminerai peut-être, si j'ai le temps, par du photomaton au photofiction, pardon pour le mot valise. Je vais emprunter pour commencer un régional de l'étape, alors qu'il n'est pas parmi nous, mais que tout le monde connaît bien, René Audet, une notion qu'il a, dans un texte récent, identifiée comme, je cite, un processus général d'écriture qui serait caractéristique de la littérature contemporaine, à savoir la diffraction. Les œuvres marquées par cette diffraction, écrit-il, je le cite, s'inspirent d'une vision kaléidoscopique du monde, à l'instar des films chorales, des pratiques du remix, du microblogging et de l'anthologisation commune en culture numérique. Fin de la citation. Je voudrais partir de là, si vous le voulez bien, et tenter d'appliquer cette diffraction à la question qui nous occupe, à savoir celle de l'éditorialisation de l'auteur. Selon Marcello, l'éditorialisation périme le paradigme de la représentation et se perçoit comme avènement d'une forme de performativité. Une démarcation serait d'ailleurs peut-être viable, qui relèguerait la présentation de soi, pour les écrivains en quelque sorte webeux malgré eux, ou très peu webeux, très peu présents sur le web, relèguerait cette présentation de soi donc dans le cadre de la pure représentation, présentation plate, alors que pour les écrivains véritablement investis dans une présence et dans une production nativement numérique, c'est bien, me semble-t-il, une dynamique processuelle de l'ordre de la construction par le dire et par le faire qu'il s'agit. Entendons, si vous le voulez bien, diffraction également au sens où le site ou le blog donne l'opportunité à l'écrivain d'enrichir la palette de ses activités ou du moins d'en montrer la richesse. En se présentant, par exemple, comme photographe, amateur, comme vidéaste, voire comme musicien. Le site de Valère Novarina rappelle son activité de peintre, celui de Martin Vinclair, de médecin gynécologue. S'en tenir aux possibilités technologiques offertes par le web comme espace multimédia serait là, me semble-t-il, omettre un pan important de la question. Si l'éditorialisation de l'auteur relève de la diffraction de forme éditorialisée, c'est aussi peut-être parce que le statut de l'écrivain, et un rapport récent du CNL vient de le montrer, ce statut l'oblige en quelque sorte actuellement à la polyvalence. Choix esthétique et réalité économique se croisent, précisément dans ce carrefour qu'est le site web ou le blog, qui permet la présentation de ces facettes qui seraient ailleurs peut-être moins visibles, sites ou blogs qui peuvent contribuer à une redéfinition de l'auteur, directement liée à la redéfinition et à la contestation par le web, là encore performativement, de la chaîne du livre. Un écrivain, écrit Martin Page dans son manuel d'écriture et de survie, un écrivain est quelqu'un qui a pris une décision, je vais m'en sortir. Et pour ça, il va inventer des ruses et des chemins inédits. Ces ruses l'oriente vers la pluralité des compétences artistiques. Je cite de nouveau Martin Page. « Je crois que les artistes qui veulent survivre devront être multiples. Ils écriront, feront de la musique, fabriqueront des objets. Ils ne resteront pas fixés à un art et ce sera un enrichissement. Nous verrons. » C'est bien ce à quoi Martin Page se consacre sur son site Monstrographe, que vous connaissez, qu'il a fondé avec sa compagne et sur lequel il commercialise directement des produits dérivés, sacs, t-shirts, j'aurais pu venir avec mon sac effectivement estampillé Monstrographe, mais sur lequel il vend également des livres papier fabriqués par ses soins. Alors, l'écrivain présent sur le web, bien sûr, fréquemment mène une réflexion sur les modalités de publication et de diffusion de ses textes. On peut penser aux emportements récents d'un Thierry Crouzet sur son blog ou sur sa page Facebook, en mars dernier. Quand l'amateur tente à se professionnaliser grâce aux outils logiciels de design, aux applications qui lui sont désormais accessibles sur son ordinateur personnel, le professionnel qu'est l'écrivain peut avoir le désir d'explorer des voies en apparence régressive du point de vue de l'évolution des techniques, ou du moins alternatives. Retournant la technologie comme un gant, Martin Page apparaît comme un artisan, soucieux des matériaux et des savoir-faire. Il imprime lui-même, il manie la presse et il se montre maniant la presse. Il choisit des encres écologiques, etc. Cette activité de commercialisation de ce qu'il nomme lui-même du « homemade » fait de l'écrivain un auto-entrepreneur ou, pour emprunter l'heureuse formule de Marie-Laure Caillé et Elisabeth Sutton, un auteur-entrepreneur. L'éditorialisation de l'auteur, par le biais de ses formes éditorialisées, met donc à mal toute conception essentialiste et fixiste de l'identité. Cela a été dit à de multiples reprises, notamment dans le séminaire qui s'est écoulé cette année. J'ai fait mes devoirs, j'ai regardé des vidéos, et donc je peux en parler. Bravo. Ici, évidemment, revient Barthes analysant en des termes qui semblent anticiper l'imaginaire de ce web.
hein, je cite, « cette subjectivité assumée comme mobile, non pas ondoyante, mais tissu, réseau de points mobiles, que l'on perçoit, je cite encore, non comme un fleuve, même changeant, mais comme une mutation discontinue et comme heurtée de lieux, confère Kaléidoscope, c'est dans la préparation du roman, bien sûr. Si ma lecture, comme c'est le cas sur Internet, est mouvement et préhension fragmentaire, alors elle s'accommodera au mieux d'un contenu lui-même dynamique et fragmenté, faut-il le rappeler, tant c'est évident. Conception du sujet, caractéristiques techniques du support numérique et modalités de lecture sur Internet convergeraient donc ici de façon exemplaire. Même quand Dieu en personne rédige, sur le blog du poète luxembourgeois Lambert Schlechter, son journal intime, on a le journal intime de Dieu, ce ne peut être que sous la forme de fragments qui viennent s'agréger au reste, à savoir cette liasse des 10 000 fragments qui constitue le projet littéraire web de Lambert Schlechter. Diffuse sur plusieurs canaux, du site personnel au fil Twitter, en passant par les réseaux sociaux éventuellement mobilisés, des clichés personnels déposés sur Instagram ou ailleurs, des vidéos qui nourrissent une chaîne personnelle, par exemple sur YouTube, l'identité numérique se construit, on le sait, comme on parcourt un espace hypertextuel. Martin Page est de ceux qui radicalisent une telle polyphonie identitaire en étoilant sa présence numérique. Il énumère ainsi sur la page biographie de son site les différents lieux où on peut le croiser et la liste impressionne, Facebook, page officielle, Tumblr, Twitter, Vimeo, Instagram, Mixcloud. On retrouve là les premières intuitions qui sont déjà anciennes de Sherry Turkle et de Stuart Hall sur l'identité décentrée et multiple sur le web. À ceci près peut-être que l'éditorialisation de l'auteur a ceci de particulier d'allier cette fragmentation identitaire à une autorialité. L'auteur écrit et en retour ce qu'il écrit l'éditorialise. L'identité, si elle est alors conçue comme ontologiquement stable, ne semble plus pouvoir correspondre au phénomène processuel de l'éditorialisation, proche d'une conception de l'identité en termes de performativité. On a coutume d'opposer, nous disait le programme de ce colloque, la conception moderne de l'auteur fondée sur l'individu à sa prétendue disparition à l'ère d'Internet et de ses œuvres collectives. C'est peut-être en réalité que l'écrivain présent sur le web redistribue les cartes autrement, au-delà de cette binarité. C'est désormais l'individu qui me semble être collectif, l'auteur qui se diffracte en de multiples micro-identités sur divers supports et plateformes, selon des périodicités qui elles aussi sont plurielles. Une activité frénétique sur Twitter, suivez mon regard, peut coexister avec une mise à jour quotidienne d'un blog et une mise à jour, pourquoi pas, hebdomadaire d'un site. Par ailleurs, les publics sont peut-être eux aussi fragmentés par cette pratique de la diffraction identitaire. Ce que je donne à voir de moi sur mon site personnel sera vu par un certain public qui n'ira peut-être pas me chercher sur Mixcloud ou ailleurs. Visible sur certaines plateformes, je deviens invisible ou presque sur d'autres, du moins pour certains types de publics. L'écrivain mimerait ainsi ses univers marchands, ses antres confortables régis par un standard, une marque qui nous prend totalement en charge, mais pour les trouer et leur substituer un réseau en forme d'hétérotopie foucauldienne. Je deviens alors, ainsi éditorialisé, une ontologie de moi, je mets un S entre parenthèses à la fin de moi, ou plutôt un processus d'ontologisation de moi. Le dernier roman en date de Martin Page, auquel je faisais allusion précédemment, L'art de revenir à la vie, publié au Seuil en avril, évoque un phénomène de dédoublement qui ne peut se lire, me semble-t-il, indépendamment de la présence web de l'auteur. Le narrateur, Martin, est écrivain. Et il entre en contact, grâce à une machine à remonter le temps, avec son double plus jeune, âgé de 12 ans. C'est bien vite la métaphore du fantôme qui s'impose, comme d'ailleurs, à son hasard, elle s'est imposée récemment à Sébastien Rongier, autre acteur important du web littéraire francophone, via son site, mais également son engagement dans le collectif Remu.net. Quelque chose se dessinerait peut-être ici comme une modalité de présence de l'auteur dans l'espace public, espace et présence remodelés par la sollicitation concomitante d'une pluralité d'espaces numériques d'expression de soi. Serge Valetti, par exemple, s'amuse sur son site à détourner le genre de l'autoportrait photographique jusqu'à disparaître de l'image dans la démultiplication mosaïquée de soi, mais de soi absent. L'écrivain présent sur le web s'éditorialiserait alors dans un geste paradoxal où la démultiplication des traces de sa présence, de l'ordre de l'accumulation, se conjuguerait à une forme de spectralisation de l'auteur, à comprendre désormais comme un réseau de fragments identitaires à relier. Aucun de ces fragments ne serait pleinement investi,
permettant une saisie rassurante et confortable d'une identité close sur elle-même, sur le modèle de la fiche biographique académique, mais au contraire, leur nombre étendu par rapport aux modes anciens de présentation de soi implique, me semble-t-il, une mobilité du lecteur comme une relative fugacité de l'auteur. Jean-Pierre Balpe est peut-être l'exemple privilégié à produire, à l'appui de cette proposition, lui qui a créé de si nombreux sites, répartissant certaines de ses œuvres sur plusieurs d'entre eux, et jouant avec son identité au risque, il faut bien le dire, d'égarer l'internaute le plus bénévole. La multiplication des pseudonymes aura participé en effet de cet éclatement de l'identité numérique de l'écrivain, de même que la disparition ou l'obsolescence technique de certains de ces sites qui auront contribué à ce que je voudrais appeler une présence-absence, qui n'est pas sans lien, me semble-t-il, avec le propos d'Arnaud hier. Présence-absence que je dirais pour ma part en termes de spectralité. Ainsi, la disparition du général Proust, œuvre transmédiatique et hyperfiction générative de Jean-Pierre Balpe, au titre déjà révélateur, la disparition, s'étend-elle, comme vous le savez, sur plusieurs sites, mais aussi Facebook ou Google Drive. À cette dispersion des contenus correspond une nuée, je cite Jean-Pierre Balpe, d'auteurs fantômes qui sont à la fois autant de mes hyperonymes et autant des personnages évoqués par les uns et les autres dans de perpétuels et foisonnants renvois des uns aux autres, soit comme personnages, soit comme auteurs. Fin de la citation, il me semble qu'on est en plein dans nos problématiques avec ce propos de Jean-Pierre Balpe. C'est le même auteur qui aime à se photographier pour poster sur son compte Instagram des séries d'autoportraits, mais qui, la plupart du temps, ne le représente que sous les modalités spectrales de son ombre ou de son reflet. Au selfie, qui affirme la présence en un lieu, à tel moment, et je renvoie à la très belle thèse de Servan qui a des pages décisives sur la question, au selfie de celui qui se capture, l'écrivain répliquerait volontiers par une présence partiellement dérobée dans le temps même où elle s'affiche. Le reflet se joue du dogme de la transparence, de même que l'ombre interroge la production de soi comme création de simulacre. L'autoportrait ne pourrait être alors que tremblant et timide, et j'emprunte là deux qualificatifs qui caractérisent, dans le titre même, le premier et le dernier cliché que vous avez devant vous. Cliché qui me semble déréaliser suffisamment la figure de l'auteur pour lui permettre d'investir à la fois sans s'y abandonner jamais totalement et définitivement une pluralité de supports à vocation au moins partiellement autobiographique. L'entreprise relève de ce que l'on nomme habituellement l'automédialité, discours réflexif du jeu online et mosaïqué. Ombre comme reflet me semble dramatiser ce dédoublement, parfois volontairement mis en scène. Ces clichés, extraits là encore du compte Instagram de Jean-Pierre Balpe, résonnent en écho avec le tableau de Norman Rockwell intitulé, de même que la photo de gauche de Jean-Pierre Balpe, triple autoportrait. Tableau que Marcello a choisi lui-même comme exemple, comme paradigme de contestation justement du paradigme représentationnel dont il a perçu l'insuffisance dans l'analyse de la construction de soi par et dans les réseaux connectés. Mieux qu'une coïncidence, il me semble que cette proximité des titres entre le triple autoportrait de Jean-Pierre Balpe et la toile de Norman Rockwell dit en abîme la pluralité assumée comme rejet d'une représentation et d'une perception unique de l'identité d'un individu qu'Internet vient diffracter. L'identité numérique, le profil de cet individu Jean-Pierre Balpe, ne peuvent plus s'appréhender que dans la mise en relation des diverses traces laissées par lui, écrits et images multiples, données, disséminées par son activité sur le web, comme dans celle des échos que sa présence sur le web suscite chez des commentateurs, des collègues, des followers, etc. En exhibant le média, l'appareil photo et les prises de vue soulignées dans leur construction, dans leur cadrage volontaire et dans leur artificialité par conséquent, Jean-Pierre Balpe désigne le média dans sa fonction médiatrice, alors que lui, justement, cherche le plus souvent à s'effacer derrière les usages. Je voudrais en arriver au deuxième temps, au second temps de mon propos, je suis presque dans les temps, du photomaton aux photofictions, en commençant donc par ce photomaton. Logiquement, l'ancienne pratique du pseudonyme, on l'a vu avec Jean-Pierre Balpe très rapidement avec Martin Page, trouve ici un terrain d'élection en rencontrant la pratique web de l'avatar et ses espaces dédiés hérités des jeux de rôle. Martin Page donne ainsi à son alter ego fictif, Pete Agarman, un blog, étoffé en site depuis que le Pete en question a signé un ouvrage de son vrai faux nom intitulé « La nuit a dévoré le monde ». Il présente son double comme la version dure de Martin Page et il en produit des preuves par ses goûts.
ACDC, Mary Shelley, The Clash, autant de preuves, et bien sûr Fernando Pessoa, autant de preuves de ce durcissement de soi par le pseudonyme. Dans ce monde peuplé d'avatars, c'est presque soi que l'on peut configurer sur Internet et dans son incroyable fourmillement de contenu pléthorique, autorise, semble-t-il, de telles juxtapositions venant feuilleter l'identité de l'écrivain en une pluralité de strates qui communiquent entre elles, mais parfois à l'insu de l'internaute. Ce dernier doit alors se transformer en véritable détective du net s'il veut comprendre, lorsqu'il navigue par exemple sur le blog poétique d'Ena Saplume, qu'il s'agit en réalité du double épisodique sur Internet, je cite, d'Anne Mulpa, alors que rien ne l'explicite véritablement. C'est pourtant bien dans ce jeu de pistes que désire s'inscrire l'écrivain, comme l'indique clairement le cliché que vous avez face à vous, représentant la poupée de porcelaine nommée Ena Saplume sur Remunette. L'écrivain présent sur le web puis alors dans les caractéristiques techniques et dans la sociabilité propre au médium, une joie nouvelle de la transgression en démultipliant une identité de toute façon irréductible à l'officielle unicité. Anne Mulpa accompagne tel autre cliché de son double numérique de porcelaine d'un refus d'obéir aux injonctions de définition identitaire minimale, je cite, « saisissement garanti, nom, prénom, tenir dans le patronyme, la présentation ». Autant de contraintes dont elle tente de s'affranchir. Comment s'étonner alors de l'omniprésence d'une réflexion en acte et en image sur la photographie d'identité classique, la plus neutre qui soit a priori, le photomaton. Yves Pagès propose, avec son automaton, un diaporama qui contraint la saisie instantanée de soi à s'inscrire dans un récit de vie. Vous avez face à vous trois captures d'écran, mais c'est en fait une vidéo qui passe en boucle et qui est accessible sur le site d'Yves Pagès. Le temps fait effraction, comme vous vous en rendez compte, en ridant le visage et en décimant quelque peu la chevelure, cette linéarité étant à son tour déconstruite par le montage et la diffusion en boucle, comme je viens de l'indiquer, du diaporama. François Bon, quant à lui, se filme face à la machine, déroulant le lancinant protocole de la prise de vue officielle. Ne pas sourire, fermer la bouche, enlever ses lunettes. Autant d'instructions qui tendent à dépersonnaliser l'individu et contre quoi l'écrivain vient buter, armé de son iPhone, pour saisir l'absurdité triste de telles exigences contemporaines. Le photomaton peut, me semble-t-il, et c'est la raison pour laquelle je le convoque, se comprendre ici comme l'emblème d'une production automatisée de soi, comme un geste violent, me réduisant à une sidonie de coiffeur immobile, voire crispée. C'est chez Huysmans qu'il y a plein de sidonies de coiffeur. Puisque cette pseudo-identité qu'est censée me révéler la photo officielle ne saurait en réalité parvenir à m'identifier, alors autant déjouer l'entreprise, en saisissant avec les mêmes armes, celles de la capture photographique, les formes d'altérité que je peux construire et qui, elles, peut-être plus sûrement, me constituent. Pierre Ménard choisit ainsi une position d'extériorité à l'égard du dispositif contraignant qu'est le photomaton, en photographiant à son tour le photomaton, et en photographiant dans une version de l'arroseur arrosé. Le sujet de la capture photographique est bien présent, mais au sortir de la cabine, et nous demeure étranger dans son anonymat qui sera respecté. Le geste même dit dans sa formulation, c'est-à-dire une prise de vue à l'aveugle, le choix de l'instant et la gratitude envers le hasard, qui offre comme une saisie oblique de soi par la création dans l'altérité, bien mieux peut-être que n'importe quelle planche de photomaton. C'est très précisément peut-être pour s'élever contre une telle présentation machinique de soi que l'écrivain présent sur le web peut recourir à la puissance de déstabilisation qu'est la fiction. Dans le petit texte que vous ne voyez peut-être pas très bien, il était question de ce creux, ce manque, cette fiction dont que convoquait Pierre Ménard. Ce creux de la fiction est peut-être plus précisément, je voudrais en venir là, celui de l'autofiction. Alors parfois, sous des formes bénignes, lorsque l'on insère au sein d'une biographie inévitablement présente sur un site personnel, un fake, dont on sait qu'il sera très probablement repris par l'un de ces acteurs incontrôlables de l'éditorialisation de l'écrivain, journaliste pressé, critique peu scrupuleux, qui seraient comme les formes humanoïdes des robots de Google.
François Bon, par exemple, annonce la couleur dans sa petite autobiographie malléable. Nota 1. Cette notice autobiographique n'est pas destinée à publication ou reproduction, même partielle. 2. Cette demande n'étant jamais respectée, cette notice inclura systématiquement au moins un élément fictif discret, régulièrement modifié. 3. Des manuels, études ou dictionnaires ayant validé imprudemment certains de ces éléments fictifs, ils ont été dès lors intégrés définitivement à cette notice. C'est ça qui m'intéresse. Nous sommes là face à de faux biographèmes, dont la fonction, me semble-t-il, dans l'environnement web, est clairement ici désignée, non pas détourner le lecteur éventuel de l'identité de l'auteur, mais au contraire, affirmer cette identité comme distincte et unique. Si vous remontez un peu en amont dans le site de François et dans cette petite autobiographie malléable, juste avant cette nota, il a en effet pris le soin d'un avertissement, que j'ai pas mis en diapo, alors je reviens au précédent, je cite « Avertissement. Tous les ans, de nombreuses confusions avec mes homonymes, on devrait monter un club. Je ne suis ni champion de speedriding, ni archéologue, ni conseiller général, ni informaticien, et j'en connais encore quatre autres, en tenir compte dans vos recherches, merci. » Il me semble donc que la fiction autobiographique, l'autofiction, permet ici de construire quelque chose comme une identité qui se revendique. Puisque l'écrivain se sait réduit sur le web à l'état de données, alors toutes les traces de sa présence sur Internet, d'exposition volontaire ou de navigation censément privée, rejoignent la masse de ces big data. Cela a été dit lors de l'une des séances du séminaire, la donnée s'obtient par décontextualisation des traces numériques avant une recontextualisation à valeur marchande ajoutée. Il me semble que par le trait autofictif, par le biographème en forme de fake, l'écrivain opère de lui-même ce double mouvement. Il vient évider sa présence autobiographique sur le web pour y insérer un caillot fictionnel, se substituant par là à la logique hétéronome de constitution des data. Si cela n'empêche en rien le fonctionnement de cette datafication, pour reprendre le terme d'Éric Sadin, c'est peut-être la prétention à la véracité de ces mêmes data qui s'en voit ici altérée. Il me semble qu'il s'agit là de détourner la contrainte, de contourner l'éditorialisation de soi non contrôlée, en prenant le parti de la fiction comme brouilleur de radar, comme brouilleur de robot. Cécile Portier, sur son site Petite Racine, souhaite répondre ainsi, je cite, « à cette vitrine de la transparence douteuse d'un monde qui serait écrit par les big data ». Et y répondre, je cite encore, « par l'ajout d'une opacité au réel ainsi décrite ». L'opacité de la fiction, dans « Étant donné », qui est une œuvre de Cécile Portier, s'offre ainsi, je cite, « comme une web-fiction, fable poétique sur les données numériques ». C'est à la géolocalisation que s'en prend Cécile Portier pour en déconstruire deux attendus. L'implacable traçabilité de nous-mêmes, on connaît ce dessin célèbre de Philippe Gueluc, traçabilité qui vaut aussi pour identification. Vous êtes ici, et donc c'est vous. Plus explicitement encore, l'écrivain présent sur le web opposerait à la puissance ubiquitaire de la société de contrôle de Leuzienne, devenue réalité existentielle sous la forme de ce que Dominique Cardon, un homme société de calcul, du calcul, opposerait donc une seconde fiction numérique qui, chez Cécile Portier, prend le titre de Trace, dont le parti pris, je cite, est d'utiliser de vrais containers de données pour dessiner comme en excroissance des personnages de fiction nourris de ces données, constitués de ces données. Puisque, comme le rappelle Joachim Séné sur son site Google te voit, l'écriture web collective, puisque Trace est un atelier d'écriture en lycée, se vit alors comme un salutaire retour à l'envoyeur, en retravaillant d'abord, en guise de sommaire, une image de géolocalisation empruntée à Google Maps que vous avez devant vous. Cécile Portier explique le projet. Chaque jour, nos faits et gestes sont traduits en données, dont l'agrégation et le sens final nous échappent. Nous sommes identifiés, catégorisés, sondés, profilés, pilotés. Notre vie s'écrit ainsi toute seule, comme de l'extérieur. C'est un constat. Il serait angoissant, désespérant, si nous n'avions pas toujours, nous aussi, la possibilité d'écrire notre vie, de reprendre la main sur les catégories, d'en jouer. Cette fiction a ce but. Jouer avec les données, au petit jeu de l'arroseur arrosé. Écrire les données qui nous écrivent. Refaire pour de faux leur grand travail cérébral, mais animé, je cite, par un comité de rédaction fort de 10 membres,
À ceci près que, comme vous le voyez, les photomatons juxtaposés révèlent en fait une déclinaison du même auteur affublé de postiches divers. Une telle démultiplication d'avatars fictifs apparente le site personnel, me semble-t-il, à un générateur d'identité fausse, à l'image du Trace Noiser, générateur de clones informationnels capable de répandre sur la toile de fausses pages personnelles afin de brouiller l'identité de l'internaute usagé. Je renvoie là aussi à un texte récent de Jean-Paul Fourmontreau dans le volume intitulé « Identité numérique, expression et traçabilité ». Ici, une telle démultiplication qui détourne la prétention du photomaton à figer l'identité en une représentation unique assortit implicitement une conception contemporaine et postmoderne de l'identité comme pluralité à la réalité de l'identité numérique que nous avons déjà croisée. La photo d'identité, aux côtés des données fournies par le webmaster, date de naissance, nom, etc., ne constituerait alors que l'une des facettes de cette nouvelle identité, plus dynamique que statique, plus ouverte que close. Les activités de l'écrivain sur le réseau, son empreinte numérique, ainsi que les liens qu'il tisse avec d'autres sites, contribuent grandement à dessiner un contour mobile qui définirait dans le web 2.0 l'identité numérique comme collection d'occurrences et de formes éditorialisées de moi, dont la sérialité s'affirme performativement comme le rejet et la déconstruction en acte de la puissance de fixation de l'identité, caractéristique de tout type de fiche anthropométrique. C'était une phrase très longue, je vais essayer d'en faire des plus courtes. Redis-la. Oui, c'est prévu pour. Bonjour de Cécile Portier. La photo dit deux choses contraires, rappelle Christian Doumé, que je cite, que les écrivains ne sont pas comme nous, en ce qu'ils écrivent, et qu'aussi bien ils sont comme nous, en ce qu'ils n'écrivent pas seulement. Posé dans sa salle de bain, aux côtés de sa compagne, permet ainsi à Martin Page peut-être de désacraliser l'image de l'écrivain, ainsi qu'il l'a fait notamment dans son beau texte « L'apiculture selon Samuel Beckett », et de proposer une version de son domaine privé. Martin Page endosse, en même temps qu'il endosse la serviette de bain, et suscite lui-même l'intrusion du web dans sa sphère privée, acceptant là une confusion entre auteur et personne biographique. Au régime de la diffraction et de la spectralisation que j'ai déjà évoqué, il me semble ajouter celui de l'effraction, ou du moins de l'intrusion consentie en ouvrant sa salle de bain à l'internaute. Par un dispositif symétrique, me semble-t-il, à celui de Jean-Pierre Balpe, Martin Page va gommer, lui, le média pour en contourner autrement les injonctions et les contraintes. Rejetant une pratique de branding, Page va opter pour une présentation de soi sur le mode de l'authenticité. À la spectralisation, il préfère l'incarnation, à l'absence médiée, la présence non médiée, mais au final, les démarches, quoique symétriques, me semblent converger. La webcam, par ailleurs, est un instrument d'intrusion consentie, et son esthétique, on le sait, caractérise toutes les vidéos tournées par la plupart des écrivains présents sur le web. L'artisanat revendiqué, plan fixe, courte durée, implique un ancrage dans une énonciation spécifique. Même dans un petit essai fictionnel, comme la Broken Fiction de Martin Page, il me semble que cela révèle l'intérieur de l'écrivain que l'on voit ici, saisi à sa table de travail ou dans son lieu de vie, que l'internaute a donc tout loisir de scruter, quand bien même le propos de l'écrivain vidéaste est a priori autre. Peut-être cette fable d'ailleurs, où on voit un vers dessiné sur une feuille se briser en éclats après un coup de marteau, vient-elle doubler cette réflexion sur la représentation et sur le réel d'une seconde réflexion qui mettrait en évidence les fissures de la figure auteur qu'imposerait le médium numérique. C'est l'espace symbolique intime de la famille qu'explore le site internet de Martin Page, comme dans cet autre film, Petite architecture intime, qui est une variation ludique et graphique sur le couple qu'il forme avec sa compagne. Ce sont encore une fois trois saisies d'écran, mais il faudrait voir la dynamique du film. Dans cette variation, l'unité se morcelle, mais pour se recomposer autrement. Maison et corps, maison, corps. Ce petit film trahit l'ambition des portraits et des autoportraits, me semble-t-il, qu'ils soient photos ou vidéos, tels qu'ils apparaissent très nombreux sur les sites d'écrivains. C'est le corps qui fait retour, qui vient incarner une écriture ainsi proposée au regard. L'auteur est bien là, nous dit-on, puisqu'il y est par son corps. Mais ce corps est en même temps dans un lointain de la représentation, elle-même soumise à un métadiscours. Dans une autre vidéo postée sur Vimeo, Martin Page s'exhibe ainsi au petit matin, tiré de son lit par un stylo magique. L'écriture s'empare du corps
et le site web vient rétribuer ce rapt, ce ravissement, en offrant en retour le spectacle de cette chair complaisamment exposée. Le site web proposerait le plus souvent à l'internaute de compléter, voire d'interrompre sa lecture, pour rejoindre, grâce aux multiples liens proposés, dans ce cas un compte Vimeo, la page Facebook ou le compte Instagram de l'auteur. Or, ce parcours centripète du site vers sa périphérie, non c'est plutôt son refuge d'ailleurs, va s'inverser fréquemment au gré de la convergence technique des documents. Tel cliché utilisé sur Facebook, stocké sur Instagram, qui est de la saisie et la signature d'un instant, pris grâce à un smartphone peut-être, finira par se retrouver dans un coin du site, déporté vers les fonctionnalités et des intentionnalités autres, différentes de celles du réseau social originel. Mettant en scène une figure d'auteur, Martin Page, saisi lui-même dans les lieux de son intimité, contribue, me semble-t-il, à brouiller encore les facettes de l'identité numérique. Même si l'on peut tenter de distinguer, comme se l'est proposé Dominique Cardon, une architecture de cette figuration de soi, identité civile, identité narrative, identité agissante, identité virtuelle, force est de constater, me semble-t-il, que l'écrivain présent sur le web s'affirme comme tel, également en mêlant inextricablement ses fils identitaires et en contaminant ces divers régimes d'une présence web. Pratiquant volontiers le récit intime, l'introspection, la représentation photographique, la manifestation d'humeur ou d'états internes, je citais Dominique Cardon, Martin Page actualise les premiers critères de l'identité civile, tout en s'adonnant à un journal littéraire et parfois sous pseudonyme, identité narrative, en partageant sur Facebook ses goûts et dégoûts, la défense de la condition animale en particulier, identité agissante, et en se représentant, croqué au crayon sur des t-shirts, objets autoproduits qu'il commercialise, on l'a vu, identité virtuelle. La cartographie de Dominique Cardon repose sur une opposition radicale des axes de l'être et du faire. Il me semble que c'est à une intrication que Martin Page nous invite. Pour gagner du temps, parce que le temps a passé, je saute par-dessus l'exemple de Jean-Philippe Toussaint, qui est peut-être aussi bien connu, pour venir à l'idée que la mise en scène, mise en site de soi, peut emprunter les détours donc de l'indirection, en particulier métonymique. Tel cliché d'objet quotidien se verra chargé de suggérer son utilisation répétée, un contexte, des goûts personnels, qui vont dessiner peu à peu comme un autoportrait par la bande. Le désopilant petit film de Martin Page, que je ne saurais trop vous recommander, intitulé « Ce soir, je sors », y introduit la distance de l'autodérision. Dans cette réalisation légèrement déprimée, il faut bien le dire, produite par Psychotrope Productions, Martin Page répond à une invitation à une fête avec des gens, ce qui apparemment pose problème. Et on voit le personnage narrateur, ou plutôt on ne le voit pas puisqu'il n'apparaît pas à l'écran, il s'efface au profit d'une multitude d'objets qui narrent le déroulement de la soirée. Alors à l'ouvrage d'Agamben, je ne sais pas si on le voit bien, sur l'amitié, succède une fiole d'alcool, puis divers médicaments liés, on l'imagine, aux troubles gastriques causés par la soirée en question. Vient ensuite l'ouvrage opportun de Henry Miller, Lire au cabinet. Et enfin, en apothéose, comme une leçon tirée de cette soirée, un retour à la solitude incarné par un nouvel ouvrage sous-titré A Return to the Self, qui conduit à la présence d'un couteau de cuisine, bientôt maculé du sang du suicidé, on l'imagine. Dans cette accumulation, il est facile d'identifier les attributs topiques, pour ne pas dire caricaturaux, de l'écrivain torturé, asocial chronique. Toute posture, a rappelé Jérôme Mézoz, qui donne au terme le sens d'identité littéraire, relève d'une inscription dans une historicité des postures. Par là, l'écrivain creuse toutefois, en apparence, paradoxalement, le sillon de la spécificité, me semble-t-il, de son éditorialisation. Les modalités d'autoportrait que j'ai évoquées, lorsqu'elles aboutissent à des formes de résistance ou de détournement de l'injonction éditorialisante, par la diffraction, voire l'autofiction, ne s'écartent en réalité pas tant que ça d'usage commun des plateformes et des réseaux sociaux. Comme l'a rappelé encore Dominique Cardon, de toute façon, et dans ses usages les plus répandus, je cite, « le patchwork désordonné et proliférant de signes identitaires exposés par les SNS, les social network sites, est tissé de jeux, de parodies, de pastiches, d'allusions et d'exagérations. L'identité numérique est moins un dévoilement qu'une projection de soi. » Fin de la citation. Là où l'éditorialisation de l'écrivain trouve peut-être sa spécificité, c'est donc non pas tant dans ses formes de réticence à l'éditorialisation de soi que dans deux modalités de retravail de ses pratiques communes, me semble-t-il. La première de ces modalités me semble être le fait que l'écrivain inscrit une strate supplémentaire de réflexivité dans ses pratiques numériques qu'il va instrumentaliser sciemment.
Ainsi, revisitant cette inclination répandue à la fiction de soi sur les réseaux sociaux et autres lieux de présence numérique, l'écrivain va explorer volontiers l'autofiction comme régime identitaire, susceptible de donner son œuvre, de doter son œuvre d'un lieu, d'un régime d'énonciation. Ceci vaut d'ailleurs pour les œuvres nativement numériques, comme pour les œuvres papier, dont tel site personnel se ferait l'écho ou la vitrine. C'est ce qui m'intéresse dans le cas de Martin Page, qui est très présent sur le web, en particulier sur Facebook. Il y livre des détails de sa vie quotidienne, ainsi que de celle de sa compagne et de son jeune fils, dont la santé récemment s'est démontrée délicate. Il y apparaît également dans ses engagements comme un citoyen numérique, féministe, défenseur des animaux et défenseur d'un mode d'alimentation précis. Sa page propose d'ailleurs très régulièrement des recettes de cuisine destinées à la communauté végane, tel ce chorizo végétal que je voulais vous montrer. Le ton de Martin Page est souvent emporté, il faut le dire, et il use à plein de la prescription comme de la recommandation, multipliant conseils et parfois imprécations. Une porosité semble même s'instaurer entre cette éditorialisation de soi sur les réseaux sociaux numériques et le régime énonciatif d'une œuvre papier poursuivie massivement en dehors du support numérique. Je ne prendrai que deux exemples. Le primat accordé dans ses œuvres récentes à cette orientation pragmatique spécifique que constitue la prescription. Est-ce un hasard si dans son manuel d'écriture et de survie, directement adressé à un interlocuteur, Martin Page a multiplié, comme l'indique le titre, les conseils liés à l'apprentissage de l'écriture, mais plus largement de l'existence. Cette orientation est encore peut-être plus frappante dans son dernier roman, auquel je faisais allusion tout à l'heure, « L'art de revenir à la vie », dans lequel l'orientation thétique du propos se scénographie dans de brefs dialogues oniriques entre le narrateur, prénommé Martin, et le double enfant dont je parlais tout à l'heure, âgé de 12 ans. Le propos aura épousé le genre de l'autofiction et trouvé, semble-t-il, son lieu d'être dans cet entre-deux des Martins, entre les deux Martins, le plus jeune étant explicitement assimilé dans le récit à un fantôme. Mais l'adulte de 41 ans, dénommé lui aussi Martin, n'est pas en reste puisqu'il demeure dans le récit invisible pour les autres lors de ses rencontres avec son jeune avatar, dit le texte. Il se fait de plus, le Martin de 41 ans, embauché pour adapter au cinéma l'un de ses romans par une compagnie qui s'appelle Spectrorama. L'art de revenir à la vie serait donc un roman papier présenté comme une autofiction que je lis à travers le prisme de la présence de son auteur sur Facebook et à travers donc des procédures d'éditorialisation web. L'autofiction promue en scène générique matricielle se fonderait en partie sur une spectralisation de l'auteur que le web est à même, me semble-t-il, de contribuer à constituer. Regardons sur le site personnel de Martin Page très rapidement les présentations successives de ses ouvrages papier que je ne veux pas surinterpréter, mais quand même, assez banalement, il en propose un soclage manuel, il le tient dans la main, soclage qui permet, de façon tout à fait pragmatique, une prise de vue nette de la couverture, en même temps qu'elle affirme peut-être un rapport de possession ou de filiation entre la main et l'œuvre. Ce qui frappe, c'est qu'au fur et à mesure de l'intensification chronologique de la présence de Martin Page sur Internet, de l'ouverture de son cadre intime, ou du moins familier, au regard des internautes, et du développement de cette inclination à l'autofiction, les contextes choisis pour la présentation de ces volumes évoluent. Un fond gris et neutre pour le premier, l'apiculture selon Samuel Beckett de 2013, qui relevait de la biographie fictive. La bibliothèque de l'auteur pour le suivant, manuel d'écriture et de survie, que vous voyez comme un cadre derrière dans un second plan, qui était un premier pas dans une intimité encore tempérée par la bibliothèque, qui est un topos culturel, qui entretient un rapport naturel avec le livre publié, bien sûr. Mais on voit que le dernier ouvrage en date, en 2016, apparaît dans un autre espace de la maison, décroché de ce lien livre-bibliothèque, pour s'inscrire dans un cadre familier, un meuble sur lequel on distingue sans peine une photographie représentant Martin et sa compagne. Le livre apparaît encadré par un contexte devenu familier à l'internaute, habitué du site de Martin Page. Un processus de personnalisation de l'œuvre fictionnelle est bien ici en jeu, avec lequel l'auteur jongle, faisant de son identité numérique un lieu d'énonciation viable pour son œuvre, quand bien même son œuvre se distribue en format papier. Convier l'intime constituerait un acte de détournement de la marchandisation actuelle de nos traces numériques, ces données personnelles, par les plateformes, notamment de réseaux sociaux. Quand elle ne rêve
que de s'introduire toujours plus dans l'intimité de nos navigations, eh bien l'écrivain se réapproprie les traits définitoires de ce que Olivier Herschel note, pardon, j'arrive jamais à prononcer son nom, qu'il me pardonne, ce qu'il nomme le World Life Web, cet espace numérique, je le cite, qui systématise l'instrumentalisation de nos sociabilités numériques, ainsi que le caractère indexable d'une identité constituée par nos traces sur le réseau, indistinctement public, privé ou intime. C'est bien le lieu d'écriture, me semble-t-il, qui constitue l'un des enjeux centraux de l'éditorialisation de l'auteur. Si c'est dans cette mise en scène de l'écriture qu'il puise la spécificité de sa présentation de soi, l'auteur, là encore, me semble rejoindre ce régime le double de la spectralisation comme présence-absence. Les discours les plus fréquents assimilent en effet le site ou le blog à un atelier ouvert, un établi, pour reprendre le terme que Nicole Calgaris emprunte bien sûr à Robert Hinard, à un laboratoire de l'écriture ouvert à l'internaute curieux. Viens qui veut, assister à la genèse de l'œuvre en train de s'écrire. Par et dans le site, l'auteur s'éditorialise écrivant, dans une temporalité que seul l'accès garanti 24 heures sur 24 pourrait transcrire, puisqu'il s'agit de montrer que l'écrivain est constamment écrivain et perpétuellement écrivain. Jean-Pascal Dubost est amené ainsi à souhaiter l'invention d'un carnet mental ouvert en permanence, dans lequel seraient automatiquement notées toutes les idées passant à l'esprit en des moments inopportuns et qu'il serait possible de consulter à tout instant. Alors, je résume pour aller plus vite. Il me semblait possible de montrer que ce discours si fréquent du laboratoire et de l'établi ouvert parfois se conjugue aussi avec un discours de la défaite, de la déprise. Je pense à quelqu'un comme Michel Séonnet, qui, poète, avait ouvert un site précisément dans ce but et qui montre l'impossibilité qu'il a rencontrée. Je passe à ma conclusion, à cette idée d'une présence-absence de l'écrivain qui me semble se dessiner dans le site. Retournement, détournement ou contournement de l'affordance et des modes automatisés d'éditorialisation. Par là, l'écrivain travaille le web de l'intérieur, détourant les gestes parmi les plus communs de la culture numérique pour les frotter à son activité propre d'écriture, y compris d'écriture de soi. C'est par l'appropriation, geste numérique par excellence, mais aussi geste artistique postmoderne, par la réappropriation de la réduction de l'identité à une masse de données, par exemple, ou de l'intrusion algorithmique dans la sphère privée, que l'écrivain contribue peut-être activement à son éditorialisation. L'écrivain est sur le web peut-être celui qui veut se profiler, qui veut se remixer lui-même dans un geste de post-production proche des procès que Nicolas Bourriaud a décrit pour l'art contemporain. Et qui par là tenterait de déjouer toute réification de soi, en sachant qu'il y échoue, forcément, en partie. Réification par quoi l'identification, qu'on pense à la reconnaissance faciale sur les clichés sur Facebook, prétend délivrer une identité. Inscrivez un nom si vous avez reconnu la personne sur la photo. La fiction, l'autofiction tout particulièrement, me semble rouvrir le champ des possibles dans un mouvement inverse à la réduction du divers mené par l'arsenal algorithmique. Il me semble, pour terminer, que la tension entre présence et absence, que j'ai voulu présenter comme une forme de spectralisation de soi, entre engagement et désengagement, et bien sûr entre intime et extime, appartient en propre au régime d'éditorialisation de l'écrivain présent sur le web. Si l'autofiction s'impose si souvent dans les productions littéraires nativement numériques, n'est-ce pas d'ailleurs parce que l'auteur le peuple de tous les moi qui le constituent sous la forme des spectres de ce moi qui parle sans fin pour se construire? Je cite Sébastien Huppier dans Littérature intime. La diffraction du kaléidoscope identitaire se verrait tempérée le plus souvent par l'affirmation d'un nom d'auteur responsable d'un projet ou d'une œuvre sur la page d'accueil ou dans la rubrique bibliographie de son site personnel. L'identité multiple, écrit ainsi Alexandra Sameur, n'est pas vivable si elle n'est pas caractérisée par un continuel aller-retour entre les différentes facettes qui la constituent et si ces facettes ne sont pas interconnectées entre elles. Telle était bien la démarche finalement de Jean-Pierre Balpe, qui a souhaité offrir à sa production volontairement diffractée un site personnel, www.balpe.name, capable de constituer une porte d'entrée à un univers narratif, lui, en constant mouvement. Or, nous, lecteurs, qui prenons part à cette éditorialisation de l'auteur, en lui rendant visite sur son site, par exemple, n'avons-nous pas besoin d'une telle désynchronie qui serait faite de proximité et de distance, puisque c'est très précisément, me semble-t-il, dans cette absence-présence de l'auteur au texte que nous parvient la voix du texte.
C'est donc également un lien viable que cette spectralité instaure avec le lecteur, n'étouffons pas l'œuvre sous l'autorité d'une omniprésence et ne l'abandonnons pas non plus à la dérive d'un effacement total. Ni virtuel ni fictif, l'auteur ainsi s'éditorialisant serait éditorialisé, puisqu'on le sait, le couple présence-absence doit aussi se comprendre comme l'alliance entre passivité-activité, maîtrise-déprise, et travaillerait de la sorte à se doter d'un espace énonciatif paradoxal dans lequel pourrait très précisément advenir l'écriture. L'écriture comme expérience, comme geste radicalement incommunicable et que pourtant l'écrivain du web ne cesse de placer au centre des réseaux de communication numérique. Je vous remercie et là je montre l'écureuil que j'ai sauvé des griffes de Bertrand hier soir. C'est nous qui vous remercions.